m'appelle Caroline Idry. Bonjour, je m'appelle Amélie Cotter. On organise le Contest Sportif 2020, deuxième édition. Alors, je m'appelle Renaud et je suis également moniteur au Contest Sportif. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est la répartition des équipes par couleur. Ce qu'on va faire, c'est répartir chaque enfant dans chaque groupe correspondant. Et après ça, on va pouvoir commencer gentiment la journée. Le camp sportif, c'est super! Première activité du matin, agré pour le vert. Alors moi j'aime le camp sportif parce que on fait des activités trop cool, on va à la piscine, on fait de la trotte, on fait aussi du tennis et différents sports. Vive le camp sportif! Après la grosse journée des Bleus à la piscine du Botsa, une journée notamment très intensive du point de vue musculaire, du fait qu'on a fait quand même le trajet Comté-Botsa en trottinette, ils peuvent être très fiers d'eux. La plupart d'entre eux m'ont surtout dit qu'ils avaient très bien dormi, aussi je pense justement dû à cette fatigue. Être arbitre au camp sportif, c'est génial. Oui, ça va très bien. Les enfants sont motivés et c'est chou. C'est hyper chaud. On les badigeonne 8 fois par jour. Ils sont hyper contents, hein, Pauline ? Oh non ! Nous voilà à la dernière journée du camp sportif. Après une course d'orientation rudement menée par tous les enfants, ils sont enfin arrivés à la station où ils pourront manger. Ils ont fait leur cri de guerre, il reste à jouer le jeu final que nous retrouverons plus tard en compagnie de mes monitrices. Allez, les petites places. Nous arrivons au terme de ce camp, un camp qui fut magnifique, tant pour les enfants que pour les moniteurs, un camp qui s'est merveilleusement bien déroulé. Et on peut lire, je pense, sur les visages de tout le monde la joie qu'il y a sur ces enfants.